Mesdames et messieurs, chers internautes, nous saluons, nous comptons encore une fois ce 25 pour rentrer dans la caille, nous, pour être capable d'étudier et continuer à étudier le son de l'école du sabbat. Et ce 25, pour être capable de faire ça, nous avons avec nous frère Jean-René et nos parmi ses frères Samuel Hermas Pierre qui pourra, pendant ce moment-là, étudier le son ce matin avec nous. Le son ce matin, ça c'est le son 9, mais avant que nous entrions dans le son de façon d'emblée, nous pourrons le baisser tête nous et avec Frère Jean-René, nous pourrons le faire en coup de prière. Immortel roi des cieux, nous présenter avec internaute nous. Nous prenons au Dieu pour capable de prendre place au milieu de nous, pardonner péché nous et que nous capable de dire ça nous doit dire et que nous capable de rapprocher plus près de nous. Béni moment pour nous pardonner péché nous, Jésus. Amen. Et Frère Jean-René et avec internaute nous, le son semaine ça, c'est le son 9. Le son 9. Des idoles de l'âme. Des idoles de l'âme. Et autres leçons de Jésus. Et autres leçons de Jésus. Verset à mémoriser. Verset à mémoriser. Matthieu 18, verset 1er. Matthieu 18, verset 1er. À ce moment même. À ce moment même. Les disciples vinrent demander à Jésus. Les disciples vinrent demander à Jésus. Qui donc est plus grand dans le royaume des cieux. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux. C'est question que disciples vinrent beaucoup de Jésus pour y opposer et peut-être dans un moment bien spécifique. Moi, j'aime, elle m'a fait le son pour être capable et débattre le son pour être un autre capable de tirer meilleur de ce qu'a dit. Vous voyez, j'aime des idoles de l'âme et autres leçons de Jésus. Et verset à mémoriser, ça le dit pour nous. Bon, les monter à l'esprit nous frère Samuel avec internaute nous c'est que idole qui ça nous est capable considérer comme idole pour nous c'est lorsque nous attachés à un bagage plus que bon Dieu parfait et un bagage que nous considérons c'est bon Dieu nous faisons tout Dieu nous venons pas dépendre de bon Dieu ça veut dire nous et par apparence extérieurement tout le monde voit que nous pas vraiment prioriser un bagage et puis intérieurement nous gagne un bon bagage qui caché par exemple côté que m'a blâmé ou m'a critiqué ou m'a jugé ou et puis internaute ouais nous chita ensemble nous c'est frère nous pas gagne rien nous gagne un bon bagage nous t'es capable considérer comme idole et le son hein, pour le présenter pouvoir intérêt l'avenir des disciples. Et t'as pour dire, parce que dans le son, il y a différents points qui traduit en gros ça qui idole pour l'envie en chrétien. Dans ce moment-là, c'est la grandeur de l'humanité, la grandeur du pardon, des idoles pour l'âme, qu'avons-nous à y gagner, nous le pouvons. C'est différents thèmes ça, que nous allons débattre. La grandeur de l'humilité. Ça son bagage son thème qui est fort qui comment nous capable aider internet yo comprendre thème ça nous capable dire frère Samuel ou gagner deux petites personnes timonio debout dit yo fait un bagage yo soumet yo obéit yo tendez parents yo et que Jésus même relaté dans Matthieu c'est que timon si on monde ta remé humble petit l'état doué venir comme un petit monde petit obéir tendez mettre li ou bien tendez parents l'humilité c'est pour nous apprendre si mon à pardonner une l'autre c'est pour nous apprendre pardonner madame Marie l'humilité nous capable voir que Jésus lui-même dans moment qui était doué arriver côté il était réuni avec disciples dans moment de Sainte-Cène côté il était présenté vraie grandeur l'humanité et même en tant que sauveur de l'humanité dans l'incarnation de Jésus même c'est l'humilité ça c'est vraiment intéressant et je pense que c'est important pour que nous rendions compte de cette grandeur de cette puissance de la puissance de l'humilité parce que en fait et Jésus dit je suis venu pour servir je suis venu pour servir les autres
Je ne suis pas venu pour être servi, mais venu pour me servir. Nous servir l'autre nous. En sorte que si on voulait grand dans le ciel là, c'est pour mettre au service. C'est pour mettre au service des autres. Yes. Si on voulait grand, si on voulait aller dans le ciel, c'est pour mettre tout au côté de mon petit. C'est-à-dire, je pense que le symbole Timon, ou bien exactement que Jésus prend, c'est pour montrer que nous devons soumettre nous. Yes. Nous soumission totale. Et pour me dire, moi-même, exemple pour prendre au début, hein, c'est que au Timon, lorsqu'il fait un bagage, il ne va pas poser de questions. Mm-hmm. Et il y en a pas qui est intéressant, c'est que au Timon, si vous finissez au diplomatique, vous faites le fâché, quelques secondes plus tard, tourner sur vous, vous êtes sur le cul, vous papi, alors, yeah. Vous, etc. Parce que les sentiments, parce que les sentiments, ils sont être qui humble. Yeah. Et pour ajouter dans ce que frère Samuel, c'est que Jésus a un vrai exemple. Et la, le lavement des pieds même, c'est le symbole d'humilité. D'humilité, justement. Et nous avons un peu de barrière que nous avons dit sur la grandeur de l'humilité, même nous connaissons que nous sommes un petit peu limités. La grandeur du pardon. La grandeur du pardon. Moi-même, nous avons dit de préférence, nous avons dit la puissance du pardon. Et en qui ça? Matthieu 18, verset 15 à 35, que je m'invite au livre pour moi, s'il te plaît. Matthieu 18, verset 15 à 35. Qui ça? Jésus dit nous. Matthieu 18, verset 35. Verset 15 à 35. Verset 15 à 35. Mm-hmm. Le pardon des offenses. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoin. Mm-hmm. Ainsi de suite, comme Frère Samuel, internaute, nous avons une histoire. C'est ça, le contexte. Yeah. 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 Ou capable d'argumenter ou... Yeah, justement, ça me l'a dit. C'est que gagnons dans le texte ça, Jésus présenté des étapes qui relatives à lorsqu'on a péché. Un, donc à considérer péché vis-à-vis de vous, vis-à-vis de péché contre mon enfant, qui n'est pas bon. Texte en dit, mais qui est pour faire à côté de nous. Si le temps d'eau, remarquez bien, texte en dit, si tu fais péché, c'est-à-dire que si on a péché contre vous, si on a combattu, c'est pas bon. C'est pas pour le temps pour nous avoir une côte ou le mando excuse. Mais il dit, vous, levez à côté. Ça, c'est le péché individuel, quoi. C'est-à-dire, on a qui font péché, qui font bagaille, qui offensent vous personnellement. Mais du même coup aussi, je pensais que l'y adresser de façon collective. On monde qui l'église qui font bagaille, qu'on estime que moun sa font gros bagaille, oui. Et texte dit, sous qu'on a un monde à baigner dans le péché, c'est pas scandaliser. Lever à côté de la belle, prêcher. Si le temps d'eau, ou gagne. Si le pas temps d'eau, prends l'autre monde, qu'on connaît qui pas mettre cause à dehors. Al parler, al prêcher, al parler du bon Dieu, al présenter le pardon de Jésus, al présenter le sacrifice de la croix. Si le temps d'eau, eh bien nous régler bagaille là. Maintenant, le problème là, c'est que là, c'est nous-mêmes, il y a plein de monde qui pas fait ça. Il y a plein de monde qui cherche, qui pas disposé. On nous fait bagaille l'église, nous pas disposé pardonner. Oh, mon frère, on te voit pour ça t'arriver. Nous connaissons, on te voit, ça fait ça t'arriver. Nous pas disposé de pardonner. Mais il y en a bagaille qui gagne, c'est que, au point de vue personnel, si on fait un bagage qui n'est pas bon, Jésus dit, alors, on dit si vous venez pour côté, Jésus dit, Seigneur, combien de fois qu'on pardonne? Il dit, pardonner 77 fois. 77 fois, 7 fois. 7 fois. Maintenant, est-ce que ça t'avait dit, Jean-René? Ça avait dit, pardon, lui est toujours, Frère Samuel, à disposition chrétien. Amen. Amen. Pardon, lui est toujours à disposition chrétien. Et quand on a parlé, nous parlé, internaute nous déjà connaît un cadre spirituel, c'est que ça fait nous devoir pardonner Frère Samuel, c'est que notre Seigneur Jésus lui-même était pardonné l'humanité. Amen. Amen. Et bien content, et Frère Jean-René, la grandeur de l'humilité, la grandeur du pardon, c'est deux parties que nous étudions déjà. Nous allons prendre une pause tout de suite et nous allons retourner, pas déplacer, nous allons tourner d'aller. Merci.
Nous content que ou encore là et je pense que le son semaine ça très intéressé ou et très intéressante aussi et d'ailleurs la débat du thème que en pile mon aimé et producteur nous se dit que et c'est on le son qui fait la cabelle l'autre bois donc tout le monde carrément lit décidons pour l'âme qu'avons-nous à y gagner. Autant là reprendre petite leçon on a dans partie aujourd'hui à des idoles pour l'âme. Frère Jean-René, qui ça où tu as présenté en dans partie ça? On capable essayer dire avec internet non yo Frère Samuel, c'est très bien des idoles pour l'âme, c'est que Jésus a relaté que le jeune homme riche lui-même dans toute sa qualité possédée il pas fin à l'aise tout bon il était gagné vide de soi et vous fait parallèle avec moine catholique et moine Martin Luther c'est que même Martin Luther à travers œuvre même j'ai avec le jeune homme riche jeune homme riche là Jésus t'a dit pour le vendre tout ça que il gagnait pour le capable bénéficier le salut éternel c'est que jeune homme riche là viré tout triste c'est que l'âme t'est attaché avec l'argent tandis que ça qui t'a doué priorité pour lui c'est le salut c'est la grâce de Dieu c'est le pardon de Dieu et apparemment toute société a dit ouais que jeune homme riche t'a pratiqué la loi obéi vivre la loi et puis il pas de gain vraiment la justice. Auteur continue Luc aller plus bas, il dit c'est pas dit au dit yon moun qui possède qui gagne l'argent pas besoin le salut éternel. En d'autres termes, homme qui riche c'est pour péché, il va à quoi au salut éternel. Yes. OK. Good. Yeah. C'est que tout le monde te connaît Martin Luther King moi ça mais non et pas c'est pas Martin Luther King. Martin Luther c'est que yo te connaît li pieux et l'état vivre normal et puis extérieurement tout le monde est en bonne santé mais intérieurement bonne santé spirituelle intérieurement il était bien envie de celle Jésus qui était capable combler je pense que c'est très important mes frères et nos idoles sont nombreuses pour la vie de chrétien gagner ça nous possède qui a constitué une idole pour nous. Il y a le monde idole son marché. Il y a le monde idole son travail. Il y a le monde idole c'est une madame. Moi, aussi, nous avons une madame vraiment à la limite de l'amour, bon Dieu, pas de problème, mais il y a le monde qui allait au-delà, qui quittait que tête ou virée et que fille ça fait. Il y a le monde tout le monde qui est une idole pour nous. Il y a le monde, c'est ça qui possède. Et tant que j'avais dit tout à l'heure, à travers tout ce qu'on possédait, si vous ne possédez pas Jésus, vous ne possédez rien. Yeah. Et c'est ça qui fait appel nous, que nous faisons, c'est que nous devons prendre Jésus d'abord. D'ailleurs, l'exemple a été donné avec ce jeune homme riche. Il y a un monde qui croit que le salut fait à travers les bagages qu'on a vous. Mais non. Nous voulons dire que le salut ou gagné à travers le sacrifice de la croix. Yeah. Jésus vient mourir pour nous et ça seulement qu'il vaut que nous gagnions le salut. Et en soi, comme jeune homme chlanté a pratiqué la loi, c'est que la loi n'a pas aucun problème parce que c'est la loi qui dit si me convoité, mais à qui m'aller. La loi capable et li conduit nous à Christ, li conduit nous vers Christ, c'est que en pratiquant les ordonnances de Dieu, les préceptes de Dieu, le jeune homme riche t'est passé out de l'essentiel. Absolument, absolument. Et le parti qui est important pour nous, qu'avons-nous à y gagner? J'ai l'impression que c'est une continuité de parti et nous sommes faits à l'heure. Maintenant, Frère Jean-René, qu'avons-nous à y gagner? Lors t'as pris le soin, qui ça qui est essentiel pour autrement que tu veux que nous-mêmes avoir avec internet nous connaît. Bien, merci Frère Samuel. C'est que Pierre vient directement le dire. Qui ça
lendemain à porter pour moi, qui ça avenir varier, comment vie varier si nous suivons le maître. Jésus t'est allé le tourner et puis il présenter à Pierre ou a gagner le salut éternel. Amen. Ou a gagner la vie éternelle. Qui ça moi-même avoir monde là t'est capable offrir nous un bon bagage. Si vraiment que nous pas prêt aller désobéir avec parents. Si vraiment nous considérons parents nous terre nous yo bien richesse la terre yo plus que toute bagaille et puis nous dit n'a suivre Jésus ou bien nous gain Jésus nous kembe Jésus ou bien nous attacher nous avec Jean de bagaille ça. Et me pense que yo même bagaille pour ajouter je fais Jean-René. C'est que le monde accepté abandonner son gagner pour Jésus n'est pas dit que c'est miel yes. Avec rose qu'on peut gagner. D'ailleurs, il est dit dans le texte, Jésus dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En sorte que, lorsque Pierre pose la question, qui ça nous gagne de retour, c'est une suite à une pensée. Ça c'est yo, de façon hypothétique. Je pense que lorsque Jésus finit une conversation avec jeune homme riche, ou bien lorsque Jésus finit une parabole, je pense que monsieur lui tendait et Jésus. Remarquez bien que monsieur Sahoua, il était aussi quitté tout ça au guerrier derrière pour suivre Jésus. Jésus n'a dit en aller et puis n'a pas suivi Jésus. Mais la question que en pile dans nous a posé aujourd'hui, si m'accepte Jésus, ou même qu'à garder le son qu'on y a, qui ne doit pas gagner à l'église, mais qui t'a qui sentit le désir ou le besoin pour marcher à Jésus, ou qu'à poser cette question, si marche avec Jésus ça, qui s'en va gagner? C'est vrai que ou qui n'a pas gagné rapidement de façon tangible, ou qui n'a pas gagné comme pile comme, mais qui t'aime tout, ou qui gagné la paix de l'âme, la paix de l'âme, ou qui gagné le bonheur, mais l'espérance que vous avez servi un bon Dieu qui est grand et qui a intervenu pour vous. Ce n'est pas prêcher. Ce n'est pas parler de résignation pour dire, nous avons résigné, nous misons. Non. C'est parce qu'au-delà de richesse qu'on a gagné, si vous n'avez pas gagné Jésus, vous n'avez pas gagné rien. Et que l'on gagne Jésus, vous gagnez tout le bagage. Nous pourrons prendre une petite pause. Nous pourrons aller tourner tout de suite. Nous ne pouvons pas déplacer. Parce que le son est très, 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 très intéressant. Nous tournons tout de suite. Marok Soumayan li di, bon Dieu par exemple, comment c'est pour lui va finir? N'importe monde qui levé Haïti, ou quand il fera ça, ou quand il refait ça, dans chanter ou le rocha. Il dit, bon Dieu par exemple, comment c'est pour lui va finir? Et nous, ça à travers la Bible, côté de lui, bon Dieu font promesse à peuple, ou même ça toujours venir accompli, après, même si on paquet de temps passé. La prière, c'est clé. La prière, c'est pratiquement moyen de communication nous avec bon Dieu. Et Mario ça que PDF ministre mettait dehors, c'est un message pour vous-même et puis c'est un message pour tout le monde tout. En vous mettez Mario ça sous poteau passé, vous encouragez tout le monde pour prier, vous encouragez tout le monde qui a un problème, n'importe problème vous gagnez hein, pour prier parce que la prière c'est clé. La prière c'est pratiquement solution à tout problème nous capable à gagner dans la vie. Donc c'est dans même optique ça PDF ministre nous fait Mario ça. Nous mettez Mayoa en vente, il est disponible pour nous capable de pré-order le premier. Montez sur www.pdfministry.org/store. Achetez Mayoa pour membres l'église ou achetez Mayoa pour les amis ou les familles. On partage ce message à tout le monde. La prière, c'est clé. On nous tout continue à prier et on nous continue à porter ce message à tout le monde. Nous avons un free shipping qui est disponible à travers les États-Unis. Donc, commencez à ordonner aujourd'hui, faisant mon compte, faisant mon compte, et nous avons un shipping pour international. Tout. Donc, restez branchés, nous avons plusieurs belles maillots, plusieurs belles projets. Bon Dieu, par exemple, commencez vous ne pas fini, achetez maillot.
Nous sommes contents encore une fois, et chers internautes, mes frères et messieurs, que nous avons des possibilités pour nous capables de continuer avec le soin. Dernière partie pour ce maintenant, nous le pouvons. Nous avons invité Frère Jean-René pour capable lire pour nous Luc chapitre 9, versets 51 à 56. Jésus se rend à Jérusalem, un bouc des Samaritains. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et rentrent dans un bouc des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigea sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les recommanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animé, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver, et il allait dans un autre monde. » Des idoles de l'âme et autres leçons de Jésus, ces petites leçons que l'habitude étudié sur Menza. La leçon qui se passait, la partie qui est considérée, nous avons un pile de bagailles qui constituait idole. Mais il y a un petit peu très spécial que partie de son ça présenter un aspect différent de ça nous t'a constitué considéré généralement comme idole. Remarquez bien que petite partie dit nous le pouvons. Jean à Jacques, monsieur Sarwa à travers sans opinion paraît que tu es plus préoccupé par ça tu as envie de gagner en après présent Jésus. Et il y en a bagage qui fait nous, il y en a bagage qui paraît nouveau pour nous comme idole. On a parti ça avec Jacques. C'est le pouvoir. Yes. Monsieur Sarwa, tu es plus ta conserver place yo, position yo. Au point que yo oublié que rôle en chrétien que tu travail que tu pour te faire, c'était pour te sauver les âmes perdues. Yes. Évangéliser. C'était pour, merci, pour évangéliser. Ça amène nous, Frère Jean-René, à lire Matthieu chapitre 20, les versets 20 à 27. Et ouais, dans quel sens Jean avec Jacques t'es vraiment obsédé par le pouvoir qui constituait on leur idole dans la vie chrétien et l'avion un paquet de monde. Mais que n'a bien pour nous développer plus là. Vous calez pour nous, s'il vous plaît. Matthieu 20, verset 20 à 27, demande des fils de Zébédée. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu, ordonne-lui, dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dit-il, tout répété. Oui, bah, ça nous capable. Pas problème. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même de au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. À quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. La grandeur de l'humilité. Mais en fait,
Moi, j'aime un texte infini pour nous parler justement de retourner à cette question. Qu'avons-nous à y gagner? Qu'avons-nous à y gagner? Quand cette question a été posée dans la partie précédente, notez que Jésus t'a invité nous. Si nous voulons marcher, suivre, c'est d'abord c'est pour nous faire ça, renoncer à nous-mêmes et puis charger quoi nous. Voilà que dans cette partie, Jacques avec Jean, monsieur ouais seulement nous capable de prêter yo, il ouais bagay matériel, il ouais bagay périssable, il ouais bagay royaume, tu sais, il ouais bagay qui a rapport avec la terre. Alors qu'un chrétien, t'as de mes yeux fixés vers le ciel. Mais au-delà de pouvoir de se manifester lorsque Jésus finit de traverser le bouc samaritain. Voilà que maman, monsieur, qu'on y a, lui intercéder pour vous, mais nous sommes capables, nous sommes pour le roi, nous sommes pour le bel dans le monde, il est pas bel dans le monde. Si monsieur, ça va, mettez-vous à gauche pour moi, mettez-vous à droite. Mais vous avez une question que Jésus pose, nous ne pouvons pas demander. En plus, pourquoi chez l'internaute, nous ne pouvons pas demander, mon Dieu. Les bagages nous demander, c'est. Quoi nous demander malheureusement? Des bagages nous demander parce que nous parlons, nous demandons des bagages spirituels. Nous demandons des bagages pour mon Dieu aider. Satisfait pour besoin. Satisfait pour besoin. Alors que chrétien pas doué vivre pour vous. Chrétien doué font pile sacrifice. Chrétien doué font pile renoncement et dépassement de soi. Chrétien doué rendre compte que la vie ne pas dépend de nous, la vie nous dépend de Jésus. Et que chrétien doit faire en sorte que tout soit fait au feu pour la gloire de Dieu. En sorte que nous devons nous compte, mes frères, que vie nous, tous les bagailles qui fait seulement pour bon Dieu gloire, pour manifester présent Jésus dans la vie nous. Oui, j'en dis un frère Samuel, pour nous comprendre avec l'internaute, nous, c'est que. Royaume éternel, le royaume des cieux, c'est pas par façon que nous occupons un poste de l'église ou bien dans un état, non. C'est pas tant pour j'aime. C'est pas relation, non. Et pas relation, non. J'aime comprendre l'affaire politique dans le monde blanc ou ses amis. Quand moi dans l'église, je suis capable de négocier avec vous ou bien de négocier ensemble avec moi. L'affaire de Dieu plus que ça. Si ça te fait sur les noirs, même dit nos chers internautes, la compréhension non vers le salut de Dieu, l'amour de Dieu, le royaume des cieux, les dépasser entendement nous et compréhension nous. Parce que pour disciples, ils comprennent, depuis Jésus dit tel bagaille, ils tout prêt à faire. Et puis dans la réalité même, Jésus, dans la préscience qui sont les cœurs et les reins, Jésus dit, et même Jean avec Pierre, Pierre te dit, mettre à, sorti à là, moi-même en tant que ami, moi-même, premier souffle, là, ma preuve. On ne peut pas quand même oser pour, même pour Bogodem, pour mon dame. Il ne faut pas, l'amour. Bagay, ça va qu'à faire. C'est ça que fait Jésus dit, ça qui revient avec la vie éternelle, là, c'est papa le seul. Amen. Qui bagay comme ça. Oui, nous sommes capables de boire la coupe à mer. Oui, nous capables d'entendre. Oui, capables de conflit. Oui, capables de tout ça que nous avons rencontré. Mais monde qui va bailler position ça, c'est mon Dieu seul. Et ça, lui, c'est ça de faire le son à présenter les œuvres. Nous pas capables de sauver avec les œuvres. Nous pas capables de sauver sans les œuvres, mais les œuvres nous identifient en tant que petite pour Dieu. Voilà. Et même parce que il y a un bagage pour nous que partie de son ça. Dit que nous avons remis faire ressortir, qui c'est une continuité, comme je disais tout à l'heure, de partie précédente. C'est que tout le monde qui prend décision pour servir mon Dieu, on prie pour payer pour ça. Oui. Je ne sais pas pour qui ça. Je ne sais pas si c'est un contraste que lié, parce que, en fait, apparemment, il y a un contraste, parce que l'homme, on prend décision pour servir mon Dieu, ou t'as senti que wow, tout le monde va marcher bien. Mais non, texte en dit, comme je disais tout à l'heure, celui qui veut venir à moi, me suivre, doit se renoncer à lui-même, il doit se charger de sa croix et pour me suivre. Et, parce que je vous dis, on dit que le monde qui voulait faire ça,
c'est prendre compte que son gros décision à prendre. Oui. Mais l'autre bagage qui est important, c'est que Jean avec Jacques, tu es fort, tu es gros chef dans le gouvernement, dans le royaume. Mm-hmm. Alors que il dit, s'ouvre pour capable de servir, s'ouvre dans le ciel, faut ton côté mon petit. D'où on a parlé encore là de la puissance ou de la grandeur de lui, de l'humilité. Mm-hmm. De l'humilité. Et permettez-moi d'ajouter, frère Samuel, pour internaute, je sais que le soin accentué sur l'humilité le pardon. Le pardon même, c'est un don divin. Absolument. C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la vraie repentance. C'est que... Au vrai pardon. Au vrai pardon. Mm-hmm. Si que, amis nous, chers internautes, si nous pas étudier la parole de Dieu, c'est en étudiant, lorsque nous avons sculpté, nous avons étudié la parole de Dieu, nous comprendre, c'est Dieu qui a communiqué à nous, a parlé à nous, de certaines choses, et des bagages qui comme idole en nous intérieurement et puis bon Dieu a fait propre terrain l'a fait nettoyage là en pile façon manière que nous mettez un peu bagage en nous mais lorsque nous à la lumière de la parole de Dieu n'a tout connaît tant que pour servir Jésus vient servir nous li pa Jésus mettez le service de nous. Absolument. Gen un philosophe Aristote même dit à cause de prospérité yo te relaté avec jeune homme riche là il dit pour un monde capable à l'aise faut ta gain lui même nous souvent parler de lui où est ça l'humanité offre à nous mêmes c'est pour nous kembe l'autre en esclavage et plutôt pour bien prospérité nous tandis que Jésus lui même il vient délivrer il gon l'évangile pardon il gon l'évangile grâce il bail le salut gratuit tandis que par façon que nous apparemment observer Dieu, ça qui est priorité pour nous, c'est pouvoir, c'est grandeur, humainement parlant, et puis nous toujours oublier. En sorte que, merci Frère Jérôme pour vraiment de ces bonnes explications que nous avons dans le son semaine ça. Mais quittez-nous récapituler pour nous, mes frères, et pour vous-même, gardez le son ça. Qui a fait le son avec nous. Jésus venu et lui mandé, il venu pour le servir. Mm-hmm. Et comme Frère Jérôme a dit au début, c'est que l'incarnation, le mystère de l'incarnation, c'est déjà l'humilité de Jésus transformée ou l'humilité que Jésus lui-même lui fait preuve de lui parce qu'il a accepté, venu s'allier pour mourir sur la croix pour nous. Mais aussi, Jésus m'a dit nous pour nous capables d'apprendre à pardonner. Jésus m'a dit nous pour quel que soit, qu'est-ce que ce soit. C'est pas pardonner 77 fois, 7 fois. Mais c'est, tant que Frère était dit tout à l'heure, c'est en tant que chrétien pour le pardon. Dieu à disposition. Et finalement. Leçon, comme leçon à présenter des idoles de l'âme. Et autre leçon, Jésus. Jésus profiter avec internaute noyau. Pour pratiquer les noms de Dieu, les préceptes, les dix commandements. Gain autre leçon, c'est la miséricorde de Dieu, la vraie justice de Dieu, le pardon de Dieu et gain fausse piété que nous trouvons dans la leçon. Hein. Quand nous mettons nous au service des autres sans intérêt, et puis que Jésus lui-même l'a élevé nous dans la grandeur li, et n'a bénéficié royaume éternel lui-même. Li, aller préparer. Nous avons d'autres leçons dans le son, nous sommes capables de relater, mais tant fait nos défauts. Oui, Frère Samuel, pour continuer. Et finalement, qu'est-ce que tu dis nous? On nous fait plus l'effort pour nous capables de faire nous ces idoles qui a empêché nous d'être en communion avec mon Dieu, qui a mis en inimitié, en séparation entre nous-mêmes avec Jésus, pas nous. Nous avons étudié une très belle leçon. Nous vous remercions, Frère Jérôme, pour apporter dans ce moment-là. Merci, cher internaute. Je pense que l'internaute est satisfait. Merci, caméraman. Exactement. Nous avons étudié leçon 9. Leçon 9. Des idoles de l'âme.
des idoles de l'âme et autres leçons de Jésus. Et autres leçons de Jésus. À ce moment même, les disciples vinrent demander à Jésus. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux. Matthieu 18. Verset 1er. Que mon Dieu bénisse nous toutes. Merci. Ce jour m'a compté dans le ciel là, il est beau.